Bamenda Man, Econa Man, Guy Man, <laughs> Bakore Man, and proudly so <laughs> your anglophone brother. You're welcome on this platform. Hello there. Benjamin Zébazé, c'est son nom. C'est un journaliste camerounais. Oh oui, oui. Un journaliste chevronné, les amis. Et on connaît son opinion quand ça concerne Samuel et fils. J'ai dit encore, on connaît, allez consulter ses pages et tout, lisez très bien. Il n'est pas très loin de l'électologue. Il avait même dit qu'il voulait écrire sa part des livres, mais bon, Eto'o a détruit le plan parce qu'ils ont écrit quelque chose, ils croyaient que ça devait être comme ça, c'est le film, il y avait des scénarios et autres, mais bam. On l'a détruit tout. Bref, c'est lui qui avait écrit, c'est pas moi. Il est tomber sur une autre sortie de ce monsieur le mois dernier. Il parle là de Benjamin Djebazé. Il dit ceci, je vais le citer. Il dit ceci, euh, les amis un, un multimilliardaire qu'on insulte, humilie comme ça, ne démissionne pas. Donc, Eto, si Eto, non, quelque sorte, c'était un multimilliardaire. Il ne pouvait pas rester, on ne pouvait pas l'insulter à long de journée et qu'il ne démissionne pas. Yves-Michel Fautso était or, I don't know où il était, le multi bélunien. était un multimilliardaire. Il avait géré Cameroun Airlines. Est-ce qu'il avait besoin de gérer cela? Pourquoi il a géré la suite? D'aucuns disent aujourd'hui que c'est une erreur de sa part d'accepter la gestion. Mais il avait géré cela. Est-ce qu'il avait besoin de la gestion de Cameroon Airlines? Qu'est-ce que Zébazé avait dit hier concernant cela? C'est un exemple de quelqu'un qui a, qui a l'argent, qui allait gérer une structure et il n'avait pas besoin de ça. Mais pourquoi il avait géré la structure? Posons-nous des vraies questions. Donc, on a des gens comme ça, on faut se poser des questions. Si dans votre vie, votre objectif c'est d'être, ou c'est d'être, sorry. Si dans votre vie, votre objectif, c'est d'être des multimilliardaires et n'est pas gérer quelque chose, d'autres personnes ont d'autres objectifs dans la vie. Ils, ont d ils sont passionnés par certaines choses. Vous n'avez pas les mêmes passions. Je pense que les gens devraient commencer à comprendre ces choses. Qui vous a dit que c'est parce que quelqu'un est multimilliardaire, il n'a pas ses passions, n'a pas des objectifs, il n'a pas des choses qui lui plaisent Qui vous a dit ça Maintenant, Eto a dit à qui qu'il était multimilliardaire ou il n'était pas multimilliardaire c'est-à-dire qu'on on est dans un débat là où des gens qui n'ont pas l'argent pour manger trois fois le jour ou deux fois même sont en train de dire que l'autre est pauvre. Vous comprenez un peu les amis Il est pauvre, il n'a pas l'argent, il n'a plus, il n'a rien. Et vous regardez les gens, ils portent un paire de chaussures pendant un an. C'est-à-dire qu'ils ne changent pas, c'est le paire de tennis. Mais c'est lui qui dit que l'autre est pauvre. Qui est dans les Lamborghini, les Ferrari, les Aston Martins tous les jours, dans les vols et autres, les jets privés. Mais c'est lui qui est pauvre. C'est intrigant, non, les amis. Donc, monsieur Zebazé Benjamin, le but de votre combat, c'était quoi C'est de pousser Eto à démissionner. Donc, on va l'humilier. Donc, dans cette humiliation-là, il va démissionner. On va faire ci, on va faire ça. Mais le mec a compris le message. Il a compris que tout ce que vous faites là, c'est pour le pousser à la démission. Et ils refusent donc de démissionner. Ça vous fait très mal. Le Cameroun joue un match au Cameroun. Il de parle des Lions indomptables. Fagnon. Ah. On loue l'hôtel à Yaoundé. L'Afrika Foot loue l'hôtel. On. Il parle du ministère des Sports et l'éducation physique qui s'est transformé petit à petit au ministère des Lions indomptables. Fagnon. Et l'Afrika Foot à Douala. Ça vous plaît. Vous ne vous posez pas la question de savoir qui devrait faire quoi. Et les textes disent quoi. Vous êtes là-dedans. C'est bon pour vous. That's supporting lawlessness. Et on vous a humilié parce que le match s'est joué à Garoua comme l'Afrique à a voulu. Vous êtes en train de trouver les doutes, excuses et tout ça. Il y a même l'autre qui est directeur publicateur. Il est dépassé. Il est dit, Marc Brice, si tu démissionnes maintenant, mais tu aurais montré que ça ne marche pas. Et tout est au courant de votre programme. Le but de, de cet acharnement, de ce que vous appelez humiliation, c'est pour le pousser à la démission. That guy don't understand. That guy don't get the message. He no one give what you want. C'est pour ça que ça, ça fait mal les amis. Mal. Et regardez les analystes. Ils se trompent. C'est-à-dire qu'avec... Ils s'humilient même à la limite. Et le match va pas se jouer à Garoua. Le match va se jouer à Yaoundé. Le match se joue à Garoua. Elle va passer comme ça, vous allez voir, ça se passe exactement comme ça. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils sont en train de s'intéresser à autre chose, pas la vérité. La vérité, ce n'est pas leur dada. Ils s'intéressent à l'argent et soutenir les frères et les amis. Ils disent, on ne sait pas ce qu'on a fait. On a vu un ami me resigner. Ah, c'est là où on a dit, oui, on a eu une gang de cause, on s'oxyde, on s'oxyde, on resign. Ils ne vont pas resigner. inɔgɔ no ɣrisinɛ ɛwuna nɔgɔ no dù nɔnɔti no lɔlétsinwó na gò dù na sɛwuna gò na strait so kò n'awó respect the rule of law na le tina regulations de de wuna gò respect am massa àrò gomi ekɔra mandogoyi.